Salut tout le monde, c'est Enigma, de retour sur Deep Diving Adventure. Aujourd'hui, nous allons aller au repère du pirate, comme convenu. Donc on a 67 objets à collecter, on a 3 minerais à ramener et 33 poissons à soigner. Donc au lagon brumeux, j'ai pas pu tout récupérer, je suis à 40 sur 45. Et en poisson, j'en ai soigné que 33 sur 39, mais j'ai quand même débloqué des choses. De l'oxygène supplémentaire et un style de ballon qui permet de remonter des objets lourds. Bah écoutez, on va découvrir ça tout de suite au repère du pirate, c'est parti. Oui. Yar, let's fetch us some booty, matey. What? Do you know how long it's been since I had a new recruit? It gets quite lonely out here. Loosen up, will ya? Jeez. All right then. Pirate's Nest should have something of value to us, so keep your eyes peeled out there. Oh, and watch out for rays too. Se méfier des raies. They're so-called cousins of sharks. But they're relatively harmless, unless you get too close, that is. Be careful around them, all right? Ok. On va faire attention aux raies. Even though piracy dates all the way back to the 14th century BC, it may be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind used oceans for transporting goods and resources. Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water's surface. Ok. Le nid de corbeau. Oh, des dauphins. Une tortue là-bas. Coucou. J'adore les dauphins. Bon, bah écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. On perd pas de temps. Donc il va falloir faire attention aux raies. Ok, il y a déjà un poisson là-bas à soigner là. Je suis peut-être un peu loin. Trois objets ramassés ici. Ouh, il y a du boulot. Il y a du boulot. Clairement. Il y a un truc là-haut, il y en a un ici. C'est vraiment agréable. Je me crois vraiment, je sais pas, en vacances, en plongée sous-marine, tranquille. On explore les fonds marins. Allez, vas-y, ramasse l'étoile. Bah alors. Oh, tu veux pas. Ok, attention. C'est légèrement au niveau de l'écran, c'est légèrement voilé ici. Je sais pas si ça vous fait pareil en vidéo. Allez, par contre les étoiles de mer sont un petit peu galère à choper de loin. Ok, alors.
Si j'ai vu quelque chose. Oui. Là-bas, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Oh, on aurait trouvé le repère du pirate. Oh, je pense que oui. Il y a des choses ici. Bon, j'ai récupéré les objets. Faire un tour là-bas du coup. Il y en a un qui est malade là-bas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il y a quelque chose là-bas. Oh oh. D'accord, il a détecté. Un coffre. Nous avons un coffre. On va essayer de pas trop toucher le sol. Ouh, 50 XP. Alors ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Y a rien d'autre? Si, y a des choses ici. Y a des choses. Oh. Un vasque d'or. Attention, doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on peut le prendre ou pas? Oui. Ok, donc c'est des minéraux. D'accord, donc c'était ça les minéraux. Bon. Alors on va continuer. On va continuer par là-bas. Par contre, je sais même pas s'il les détecte en fait. Ok, c'est de la vacherie ça. Un lingot d'argent. Là, on voit rien du tout, hein. Oh. On va continuer, hein. Lingot d'or, cool. Ouais, quelque chose, il y a quelque chose. Ah, par contre, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un coffre. Un coffre du pirate. Allez, vas-y.
Oh, 70 XP. Bon, la lampe torche, elle marche plus. Faut qu'elle recharge. Ok. Attendez, parce que là... Quelque chose ici. Là-dedans, il n'y a rien. Ah si, c'est bon, ça remarche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une étoile de mer, ça. Essayer d'économiser un peu la lampe torche là parce que c'est des rats. Il n'y a rien là-dedans. Coquillage. Ok, je pense qu'on a fait la... on a fait le canyon là. On a fait la faille. Après je cherche s'il n'y a pas un... Ah, la lampe torche par contre... Est-ce qu'il y aurait des trucs là-dedans? Je ne sais pas. J'irais bien faire un tour. Non. Pour l'instant, j'ai toujours pas vu de raie. Oh, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose ici. Ouais, c'est... ça se trouve, c'est juste un coquillage. La lampe torche, d'accord. Vas-y. Prends-le ton coquillage. Ok. Je fais vite fait un tour ici. Ok, il n'y a rien. On ressort de là. Ok, le nid de corbeau. Bon, je pense qu'on a fait le tour là.
Ok, il me reste 2 minutes 40. Ok, il y a encore des choses ici. Un autre coquillage. Là, il y a des choses aussi là. Également. Ok, allons-y. Il y a un passage là-bas. Ah, les quartiers du capitaine. Oh là, attention là. Oh. Oh, par contre, la lampe torche là, c'est très ennuyeux que je vois rien. Ok, on va continuer sur ce chemin là, du coup. Peut-être tomber sur quelque chose d'intéressant. Allez, allons-y. Là, il y a du poisson. Alors, c'est quelque chose d'intéressant ici. Pas grand chose, hein. Vous savez quoi, je vais remonter à la surface et je vais sûrement reprendre ici. Oui, bah oui. Ok, c'est pas mal. Alors 26 sur 67, 1 sur 3. D'un joueur de niveau 3, j'ai débloqué. Ah, ça c'est bien, ça je vais pouvoir aller plus vite. Plus 1% de vitesse de base. Combinaison niveau 2. Capacité de submersion jusqu'à 30 mètres. Ah, ça c'est intéressant. Ah ouais. Ok, les prochains niveaux, récompense suivante. Je pense qu'il y a le pistolet de... pour soigner. Donc il doit y avoir 30% de recharge en plus. Et l'autre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà. Allez, c'est reparti. On replonge. Oh. Ok, lui, il nous a mis près des méduses. Ah oui, là, effectivement, oui. Mais alors, du coup, est-ce que c'est vraiment là que je voulais aller, moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, bah, c'est les machines. Bah, c'est bien ça. Parfait. D'accord. Ouais, donc ça se trouve directement sur les roches. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai bien envie d'y aller, moi. Je sais pas pour vous, mais c'est quand même bizarre, hein. Il va falloir faire assez vite. Je sais pas du tout. Me suivent pas. Ok, je vais essayer de passer je sais pas où là. Je sais pas si ouais, ça passe. Que je suis déjà passé par là, moi. Ah, mais ça se trouve, je suis déjà passé par là. Bah, attendez.
va aller là-haut, on va voir. Vas-y, récupère, récupère. Ok. Ok, là, il détecte rien. Il y a quelque chose ici, hein? Non. Ok. Alors, on continue notre chemin. Bon, apparemment, j'ai pas vu leur truc du capitaine, là, les quartiers du capitaine. Bizarrement. Je sais pas s'il y avait quelque chose à voir ou à récupérer, mais j'ai pas vu grand chose. Oui, là avec tout le banc de poissons, s'il y avait rien. Ah, oh, t'es sérieux? Allez, recharge, recharge. Il y avait un autre ou pas? Oui, il y en a un autre là-bas. Ah non, c'est quelque chose à récupérer. Allons-y. Ok. Y a quoi là-dedans? Ok, c'est des méduses. Du poisson à soigner là. Et d'autres là-bas. Ok. Allons-y. Ouais, je suis obligé parce que sinon... Ok. Ok, donc là manifestement c'est la fin de la map. Ouais, ici il n'y a plus rien. Ok. On va aller là-bas. Voir les méduses. J'ai vu aucune raie pour le moment. Je sais pas du tout si ça ils appellent ça des raies, mais les gars, si vous appelez ça des raies, c'est des méduses. J'ai vu aucune raie moi. Alors est-ce qu'il y a une zone que j'ai pas faite qui est censée avoir des raies? Je vais essayer d'aller là-bas là, au bout là. Je vais essayer de faire attention. Ça c'est chaud hein. Putain, il y a un objet en plus là-bas. Là.
Bon, si ça se trouve, je vais pas me faire attaquer, je pense pas. Ok, on y va. Bon, ça va, elles sont inoffensives. Bon. Non, ici il y a une crevasse, mais est-ce que je crois que je l'ai faite la crevasse moi sinon? Je sais pas du tout. Ok, Nick Corbeau. Bah, je l'ai eu quand même. Impeccable. D'accord. Bon, alors je pense qu'à mon avis... Je pense que j'ai déjà fait, hein, du coup, le passage derrière moi, là. Je présume. Hein. J'ai quand même bien envie d'y retourner, mais... Pour être sûr, mais... Ou alors peut-être aller du côté droit là-bas. Ouais, les dauphins là. C'est un moment que je ne les ai pas vus moi. C'est celui-là. C'est quoi ça? Mais c'est un dauphin, je crois que c'est un requin. Oh, il y a la tortue là qui est malade. 25 XP, c'est pas mal. Bon, il n'y a rien à récupérer ici. Je suis peut-être déjà venu. Hein. Ah, là-bas, il y a un coquillage. Oh, il y a un filet. 25 XP, le filet, cool. Là, c'est une zone que j'ai pas faite. Ok. Une étoile de mer. Il a détecté quelque chose, mais quoi, je vois pas. Ici, ici. D'accord. Hop, attention au coraux. Okay. J'ai encore détecté quelque chose. Ok, là-bas.
Remets-toi bien. Ici, il a détecté quelque chose. Bizarre quand même que je... Là, ça va être la fin de la zone, là. Oula, il a détecté deux choses. C'est quoi, c'est du poisson malade ou ça me le met sur le côté là. Ah là-bas. Oui, il me reste 1 minute 30. Là, j'ai récupéré pas mal de choses. Il faut que je fasse attention. Donc là, si vous cognez, vous perdez forcément des minutes, des secondes, pardon. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur la première map. Je me suis cogné 2-3 fois d'un coup et j'ai tout perdu. J'ai dû recommencer. Ok, donc là, c'est là qu'on a commencé le niveau, plus ou moins. Ici, il n'y a rien d'autre. Il a détecté quelque chose, mais bon. Peut-être pas trop faire les malins. Et on va remonter. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Du coup. Voilà. Ok. Alors, c'est quoi ça? La charge explosive permet l'exploration de nouvelles zones en détruisant les blocs d'obstacles. Ah, d'accord. Ah oui, carrément, quoi. Ok, c'est un C4, quoi. Cool. Et le pistolet Kogun niveau 3, 30% de vitesse de rechargement. D'accord, donc ça va un petit peu plus vite. Et on a déverrouillé un nouvel emplacement qui est le récif oublié. Bah, ça, c'est super, c'est cool. Donc on a récupéré donc 38 sur 67 objets, 2 sur 3 au niveau des minerais, et 16 sur 33 au niveau des poissons. Bon bah écoutez, moi je vais essayer de monter aussi encore d'un petit niveau ou deux. Donc je devrais débloquer le niveau 2 de la lampe, et ça m'intéresse quand même, parce que plus 4 minutes apparemment. Voilà, et un niveau donc le niveau de détection du radar, et ça c'est cool, voilà. On va retourner au menu principal, on va aller voir la fameuse zone nouvellement débloquée. Awesome. Another fine job. This will do. Ouais, bah oui. I believe this is the beginning of a beautiful cooperation between us. We will make some good money out of these small expeditions. I'm sure the wildlife is also thankful for cleaning their homes from those pesky coins and chests. I know the perfect spot where you can make a real impact, though. Forgotten Reef. Ok, le récif oublié. Alors, qui dit récif dit requin, je présume. Mais ça sera sur le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir été présent. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine fois. Salut!